Est-ce que vous vous reconnaissez dans une de ces situations? Quand vous faites un road trip entre amis, ils vous prennent en photo en train de dormir la bouche grande ouverte sur la banquette arrière. La nuit, vous ronflez tellement fort que vous faites trembler les murs. Vous avez des nuits agitées, il vous arrive même d'arrêter de respirer brièvement en plein milieu. Le matin, quand vous vous réveillez, vous avez la bouche sèche comme le Sahara et il vous faut 3 quarts d'heure pour émerger. Parfois, quand vous êtes assis sur votre canapé, vous avez les travers sans raison apparente. Ou enfin, votre entourage refuse de vous parler avant que vous vous soyez lavé les dents. Et si je vous dis qu'un simple morceau de sparadrap peut faire toute la différence? Alors je vous rassure tout de suite, c'est pas de la poudre de perlimpinpin. Je vais vous parler d'une technique de rééducation simple et efficace qui corrige une mauvaise habitude qui peut être responsable de tout un tas de vos problèmes. Cette mauvaise habitude a un nom, la respiration par la bouche. Ça peut paraître fou, mais excepté quand on parle, on devrait pratiquement jamais respirer par la bouche. Il existe un lien entre notre consommation d'oxygène, notre façon de respirer et tout un tas de pathologies du quotidien. Je vous explique tout. Il y a 4 milliards d'années, il n'y avait rien à manger sur Terre. Alors comment nos ancêtres ont fait pour survivre? Eh ben, ils ont trouvé le moyen de manger l'air. À l'époque, comme sur Mars, notre atmosphère était remplie de dioxyde de carbone, le fameux gaz à effet de serre. Mais ça tombait plutôt bien parce qu'ils s'étaient spécialisés dans sa consommation. Leur mode de fonctionnement était très simple. Ces cellules primitives attendaient que les molécules de CO2 leur tombent dessus, elles les séparaient de leurs atomes de carbone et elles rejetaient l'oxygène dans l'atmosphère. Ce procédé leur permettait de récupérer de l'énergie utile à leur réplication. Mais il y a eu un problème. Ces cellules se sont tellement reproduites à l'infini qu'ajoutées à ça 2 milliards d'années, elles ont fini par consommer la quasi-totalité du CO2 présent dans l'atmosphère. Ça déclenchera la toute première pénurie, qui aura pour conséquence d'engendrer la toute première extinction de masse sur Terre. Mais au milieu de ce chaos, est né un tout nouveau type de cellule, une capable de consommer l'oxygène. Cette nouvelle compétence lui permet à son tour de se reproduire en masse, mais de manière encore plus efficiente. Et c'est d'elle dont descend la totalité des grandes espèces vivantes qu'on connaît aujourd'hui. Des plantes aux humains en passant par les poissons. Et toutes et tous continuent à consommer de l'oxygène pour générer de l'énergie. Les plantes, elles ont pas changé de stratégie. Elles comptent toujours sur l'oxygène ambiant qui passe notamment au travers de leurs feuilles et racines pour se nourrir. Les poissons, eux, génèrent un flux d'eau entre leur bouche et leurs branchies pour en extraire de l'oxygène. Et il y a nous, les humains, qui avons carrément développé une pompe capable d'attirer jusqu'à nous 3 litres d'air à chaque fois qu'on inspire. On le présente rarement comme ça, mais l'oxygène est en fait un de nos aliments principaux. Pour vous donner une idée, un adulte moyen va respirer plus de 10 000 litres d'air par jour, ce qui représente une consommation d'environ 1 kg d'oxygène pur. Donc si vous faites attention à comment vous mangez, vous devriez aussi faire attention à comment vous respirez. Intuitivement, on pourrait se dire que respirer par la bouche augmente la quantité d'air et donc notre consommation d'oxygène, mais en fait pas du tout. Sinon, on n'aurait pas de nez. Quand on fait une respiration buccale, l'air va faire une ligne droite vers les poumons. Mais quand on fait une respiration nasale, l'air va se retrouver piégé entre une série de cornets qui lui font faire une sorte de roller coaster entre tout un tas de muqueuses. Et c'est pas uniquement pour le fun. Ce tour de manège donne au nez une fonction de climatiseur tout en un. Il va réchauffer l'air, changer son taux d'humidité et le nettoyer de ses impuretés. Ces trois choses sont essentielles parce qu'elles facilitent le transfert d'oxygène dans nos poumons. Les alvéoles qui s'y trouvent fonctionnent de façon optimale dans ces conditions. La qualité de l'air qu'on inspire joue un rôle tellement important dans notre survie que notre nez n'a pas échappé à la sélection naturelle. Il existe un lien entre la forme de notre nez et le climat dans lequel ont vécu nos ancêtres. Pour ne donner qu'un exemple, les personnes issues de climats froids et secs vont avoir tendance à avoir un nez plus petit et des cornets plus étroits pour maximiser le contact entre l'air et les muqueuses. Donc quand vous respirez par la bouche, vous privez vos poumons d'air pur. Mais c'est pas tout. Quand on inspire, on ingère une grosse quantité d'oxygène, ça c'est pas un secret. Mais quand on expire, on rejette à la fois l'oxygène qui a pas pu être absorbé, mais aussi une petite quantité de dioxyde de carbone. Ce deuxième gaz est vu comme un déchet généré par le corps quand il produit de l'énergie, et c'est pas faux, mais il a aussi une fonction vitale. Il sert de passeur pour l'oxygène. C'est en échangeant du dioxyde de carbone que nos cellules vont pouvoir récupérer de l'oxygène dans notre flux sanguin. Du coup, il faut pas s'en débarrasser trop vite. Le problème, c'est que quand vous respirez par la bouche, bah c'est exactement ce qui se passe. Vous rejetez plus de dioxyde de carbone que quand vous respirez par le nez. Cette carence va avoir deux conséquences. D'un côté, certaines de vos cellules vont manquer d'oxygène, notamment celles de votre cerveau, et votre cerveau va aussi activer le système nerveux sympathique, c'est celui qui est lié à l'excitation. La recherche a depuis montré qu'il existait un lien entre cette carence et des pathologies telles que les crises d'angoisse, les troubles de l'attention, les troubles du sommeil ou encore l'hyperactivité. A l'inverse, un surplus de dioxyde de carbone active le système nerveux parasympathique, responsable de la relaxation. C'est d'ailleurs pour ça que inspirer et expirer calmement et profondément va induire un état de calme, c'est pas que de la magie. Et c'est pour cette même raison que quand quelqu'un fait une crise de panique, c'est recommandé de le faire respirer dans un sac. Ça va lui permettre de recycler son propre CO2. Donc quand vous respirez par la bouche, vous privez vos poumons d'air pur et vous rejetez trop de dioxyde de carbone. Mais c'est pas tout. La respiration buccale a aussi des conséquences sur la bouche elle-même. D'abord, il y a les bactéries. Le flux d'air va avoir tendance à sécher votre bouche, et en l'absence de salive, c'est happy hour pour les bactéries qui vont pouvoir proliférer. Ça a deux conséquences principales, les caries, mais aussi la mauvaise haleine.
Et enfin, quand vous respirez par la bouche, votre langue qui devrait se trouver collée au plafond va se retrouver affalée dans la gorge. Cette nouvelle position a plusieurs conséquences. D'abord, elle va engendrer des problèmes d'alignement dentaire, ça va affecter radicalement votre apparence, mais aussi ça va restreindre le passage de l'air. Et c'est ce dernier point qui va au long terme provoquer les ronflements, l'apnée du sommeil et les fausses routes. La langue va gêner le passage de l'air et des aliments. Et le pire, c'est que par contrainte de temps, je vous ai même pas tout dit. Ce problème a des conséquences sur absolument tous les aspects de notre physiologie. Mais d'où vient cette mauvaise habitude? Alors il y a des raisons que j'ai déjà traitées dans d'autres vidéos, et d'autres que j'aborderai plus tard. Et parmi les raisons les plus courantes, il y a la déviation nasale, l'hypertrophie des muqueuses telles que les cornées et les amygdales, il y a les allergies, il y a le frein de la bouche, il y a aussi les problèmes d'alignement dentaire, il y a des soucis de posture, et tout un tas de choses. Mais il y a une chose qui revient à chaque fois, c'est que plus vous respirez par la bouche, plus respirer par le nez va devenir difficile. C'est un problème qui s'auto-entretient. Mais la bonne nouvelle, c'est que pour la plupart d'entre vous, plus vous respirerez par le nez, mieux vous respirerez par le nez. Et c'est là qu'intervient notre technique, le mouth taping, ou en français, scotcher la bouche. La technique a été inventée par un dentiste russe du nom de Konstantin Buteyko, et elle consiste simplement à mettre un carré de sparadrap entre les lèvres. Ça va considérablement réduire le flux d'air par la bouche et votre cerveau va tout simplement chercher à respirer par le nez. Il y a même un côté assez magique auquel je croyais pas du tout au départ mais qui a été rapporté par beaucoup d'utilisateurs et qui au final s'est vérifié chez moi aussi, c'est que même le nez bouché, quand vous mettez un morceau de sparadrap, au bout de quelques minutes, le nez se dégage. C'est sans doute parce que la respiration nasale provoque une régulation de la sécrétion de mucus, donc après avoir forcé quelques minutes, ça finit par se dégager. En tout cas, en ce qui me concerne, je suis né avec une déviation nasale, c'est-à-dire que la cloison entre mes narines n'était pas tout à fait droite, ce qui gênait la respiration la moitié du temps. À cause de ça, j'ai malheureusement pris l'habitude de beaucoup respirer par la bouche quand j'étais petit, ce qui m'a valu d'avoir de très gros troubles du sommeil quasiment toute ma vie. Et aussi ridicule que ça puisse paraître, dès la première fois où j'ai mis du sparadrap sur ma bouche avant de m'endormir, j'ai passé la meilleure nuit de ma vie. Autrement, je suppose que vous vous demandez combien de temps il faut le faire. Je pense que ça dépend entièrement de vous, mais essayez de vous y tenir au moins 3 mois. C'est le temps qu'il faut à votre cerveau pour adopter une nouvelle habitude inconsciente. En tout cas, personnellement, j'ai commencé il y a quasiment 2 ans, et depuis, c'est tellement sans effort et ça m'assure de passer une bonne nuit, donc je continue à le faire. Sinon, je voulais vous donner 6 conseils pour cette pratique. D'abord, je suis pas médecin, donc à vous de prendre la décision de tester cette technique de votre plein gré. N'hésitez pas à en discuter avec un professionnel si jamais vous avez des doutes. En 2, n'utilisez que du sparadrap hypoallergénique. Ça laisse respirer la peau, ça évite les boutons et ça arrache pas les poils. En tout cas, n'utilisez surtout pas de scotch. Mettez-en qu'au milieu de la bouche. C'est amplement suffisant et ça permet de laisser un peu d'air passer si jamais vous voulez parler ou éternuer sans avoir à retirer le sparadrap. Si le sparadrap de base colle pas assez, optez pour un sparadrap plus puissant ou inversement. Évitez de mettre de la crème sur les lèvres avant de mettre le sparadrap, sinon ça va pas tenir. Si jamais dormir avec vous fait peur, vous pouvez commencer à le porter en journée, ça vous permettra de vous y habituer. Et enfin, si vous n'y arrivez pas et que vous pouvez pas du tout respirer par le nez, allez consulter un ORL compétent. Autrement, je voulais quand même vous dire que chez les mammifères, on est les seuls à autant respirer par la bouche. Les éleveurs vous le diront, si un animal a la bouche ouverte, c'est souvent très mauvais signe. Il y a juste ces chiens qui sont une exception parce qu'ils sont obligés de faire ça pour réguler leur température. Mais même là, ils le font généralement que lors des efforts intenses et quand il fait trop chaud. En parlant d'efforts, pour ceux qui font du sport, vous le savez, le sujet de la respiration est assez dogmatique et on entend tout et son contraire. Il y en a qui disent qu'il faut inspirer par le nez et expirer par la bouche, d'autres l'inverse. Faites-moi savoir en commentaire ce que vous en pensez et ce qui, à titre personnel, fonctionne le mieux pour vous. Je pense que je ferai une vidéo là-dessus. Sinon, en recherchant le sujet, j'ai fait la connaissance d'une molécule assez dingue qu'on doit produire en permanence parce qu'elle a une espérance de vie de quelques secondes alors qu'elle régit beaucoup de nos fonctions vitales et notamment des fonctions sexuelles. Elle est aussi affectée par notre respiration, mais pas que, et ce sera le sujet de la prochaine vidéo. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne nuit, et à la prochaine!